Allez, quoi, on commence. C'est trop trop bon. Vous voyez, vous avez plein d'assortiments comme ça. Ensuite, là, moi j'ai pris des petites briques au poulet. Voilà. Et puis, on entrait avec plein. Oui, oui. Vous allez bien, donc pour ma part ça va. Voilà, j'ai hyper bien dormi. Là ce matin, je vais me faire une manicure et une pédicure. Voilà, ça fait longtemps que je devais la faire avec mes mains oranges, c'est une horreur. Peut-être me trouver une petite solution, mon esthéticienne. Parce que là, non mais c'est une catastrophe. Et voilà, et regardez ce que j'ai ramené aussi à ma copine qui est ma prothésiste angulaire, mais c'est ma copine. Donc un saut. Shake mac and cheese, parce que hier quand on était au restaurant, elle me disait qu'elle a commandé les sauts shape, vous savez, ce préféré de ma mère, pâte truffe, et que elle voulait goûter mac and cheese et qu'elle avait peur de pas aimer. Du coup là je vais lui ramener un sachet mac and cheese, et puis voilà. Donc en tout cas, Anaïs, je t'ai pas oublié. Soussou, ou devrais-je dire une autre personne, on sait pas, qui s'occupe de mes pieds, qui ont plein de traces de tomorzan également. Ouais, sympa hein. C'est pour le ramadan, j'ai fait du henné, je t'ai dit. C'est ça. Et c'est immonde, et du coup mes pieds c'est pareil. Regardez la couleur que j'ai choisie. Voilà, ça a été le violet. Bon tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Donc pour ma part, tout va bien. Donc là, je viens de finir de faire les courses. Je passe à la pharmacie pour les médicaments de ma mère. Et ensuite, je rentre. Faire ma petite recette tarte aux pommes, je suis trop contente, donc j'ai tout acheté pour. Comme je vous ai dit, ce soir on va manger chez ma tante, du coup je ramène le dessert, du coup j'ai pas intérêt à me planter et j'avais trop envie de tarte aux pommes. Donc voilà, je partagerai la recette, mais à mon avis elle va être succulente. Voilà, du coup je viens de rentrer, avant de commencer à faire mon petit gâteau et tout, je vais préparer, parce que moi je veux pas manger comme vous savez, je jeûne, mais je vais préparer un bon petit sushi à ma mère, pas qu'elle lâche. D'ailleurs, hyper tente. T'as eu le résultat, l'accord du médecin pour proposer le ballon gastrique. Donc, elle le pose bientôt. Donc, elle est hyper contente. Bah, oui. Donc, du coup, elle commence à faire attention avant de poser le ballon gastrique. Donc, maman, tu veux quoi? Il y a soit des pâtes à la bolognaise, vegan. Il y a les mac and cheese. Ou je crois qu'il reste encore à la truffe. Non, maman, la dernière fois, t'as mangé à la truffe. Tu veux encore la truffe? Vas-y. Ouais. Ok. Tu veux les macaronis avec? Ou je crois qu'il y a une autre sorte de pâte. Non, peut-être que les macaronis. Ouais, là, non, ça sera les macaronis. Donc, vous voyez, en fait, dans 120 ml d'eau, je mets les macaronis. Et tout est noté. Et ensuite, 4 minutes 30 au micro-ondes. Et après, je viendrai rajouter ça. Alors, hyper simple à faire comme vous avez vu. Et pour ceux qui connaissent pas So Shape, c'est des petits berlingots comme ça à boire ou à manger. Donc, par exemple, celui-là, c'est à boire parce que c'est vanille chocolat. Donc, vous avez des berlingots sucrés salés adaptés pour tous parce que, comme vous pouvez voir, c'est des berlingots végétariens. Il n'y a pas de viande. Par exemple, pour ceux-là, les pâtes veggie bolognaise. Donc, forcément, c'est à la bolognaise sans viande. Donc, c'est pour ça que c'est veggie. Il y en a même qui sont véganes. Donc, c'est vraiment adapté pour tout le monde. Un berlingot comme ça, c'est 250 calories, ce qui permet de ne pas avoir de carence et en même temps de ne pas grossir. Donc c'est pour ça que c'est hyper bien de le faire en tant que challenge. Vous avez des challenges de 5, 14 jours ou 28 jours, c'est à vous de choisir et il est hyper simple. Le matin, vous prenez un petit berlingot sucré. Bien évidemment, le midi, vous êtes libre de manger ce que vous voulez et le soir,
le soir, on reprend un berlingot, donc salé. Après, c'est à vous d'adapter votre challenge. Si par exemple, le soir, vous savez que vous ne mangez pas à la maison, et ben, vous le remplacez avec le repas du midi. Enfin, vous prenez un berlingot le midi et le soir, ben, vous ne mangez pas à la maison, mais vous faites quand même attention, etc. Voilà, c'est vraiment un challenge et qui est hyper bien parce que au-delà d'un régime, on mange des choses hyper bonnes. Vous voyez, là, par exemple, ma mère, je suis en train de lui faire les pâtes à la truffe. Il y a les pâtes bolo, il y a les mac and cheese. Enfin, c'est des choses où on ne se dit pas dans nos têtes, on est en train de faire un régime. Là, voilà, micro-ondes prêt. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà. Là, on est en train de verser tout le sachet. Vous voyez que les pâtes sont cuites. Vous versez tout le sachet. Ça sent grave la truffe, c'est un délire. Vous mélangez bien. Ça sent trop bon, ça me donne envie. Mais c'est à moi. Voilà. Toi, ce soir, avant bien. De dormir. Grave. Les mac and cheese. Voilà. On mélange bien. Et tiens, maman, je te laisse continuer à mélanger. Merci, chérie. Et bon appétit. Merci. Bon, sachez que si vous voulez entamer le petit challenge So Shape, c'est le moment parce qu'il y a les vrais French Days aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a déjà moins 15% sur tout le site, sur tous les challenges. Et en plus de ça, moi, je vous donne un code promo de moins 10 euros, donc cumulable avec les moins 15% qu'il y a déjà sur le site. Donc, profitez-en pendant ces French Days et faites-vous un kit. Vous avez plein de choix. Il y a même les cookies. Vous savez, les cookies que je mangeais à Dubaï. Vous avez les cookies, vous avez des barres, céréales, enfin... Il y a de tout. Mickey est en train de faire du sport. Mickey! Bon, les filles, je viens de mettre ma petite tarte aux pommes au four. J'espère qu'elle va être réussie. J'espère qu'elle va être hyper bonne. Sinon, pas de dessert ce soir. Après le repas, parce que comme je dis, je mange chez ma tante, c'est moi qui ramène le dessert, donc j'espère qu'elle va être ici. Et puis voilà, je profite un peu du beau temps. C'est fait partie, Mickey profite du jardin. Mickey! Voilà, on n'est que tous les deux. Et puis voilà, je suis fatiguée. J'ai faim. Et je vais aller regarder mon petit film 365 DNI. C'est vrai que j'en parle un peu plus sur Snap, bah toujours pas. Alors avec tout le monde tout va bien, c'est toujours avec Chula, ça pose un problème. À un moment donné, ma chérie, il va falloir l'oublier parce que voilà, c'est de la merde les ex, il faut les oublier, il faut se forcer à les zapper, je vous jure. Et si jamais t'as besoin de parler, viens sur mon forum. Bah très bien, franchement ça va. Des petits moments nostalgiques, ce qui est normal, mais sinon tout va bien. Merci ma petite chérie. D'ailleurs, pour celles qui n'ont pas encore suivi, il y a toujours le forum, il est là, c'est gratuit, c'est pour qu'on puisse communiquer tous ensemble, que vous pouvez parler de vos problèmes en étant anonyme ou pas, c'est à vous de choisir. Alors j'ai adoré, c'est un de mes restaurants préférés à Mougins, c'est hyper bon, voilà, on mange bien, de la bonne nourriture marocaine, enfin voilà, moi je le kiffe, ça fait longtemps que je vais là-bas. Je pense que les gens et les histoires sont beaucoup moins authentiques que celles d'avant. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de méchanceté et de fake, malheureusement, dans la new generation. Mickey va toujours bien, regardez, il est là, allongé. Il profite, là il est allongé dehors parce que je suis partie dehors. Mais voilà, il va bien. Le garder, je ne sais pas encore, mais en tout cas, il va bien. Pas à ma connaissance. Après, si vous avez des commandes avec beaucoup de retard, vous m'envoyez votre bon de commande et moi je contacte directement la marque en direct. Mais non, ce shape, non, pas de retard. Oui, je me sens capable. En fait, j'ai tellement d'amour à donner à quelqu'un, mais tellement que oui, je m'en sens capable. Maintenant, tout de suite, maintenant, c'est pas dans mes priorités. Ça, c'est sûr. Alors, je me sens mieux, oui, ça c'est une certitude. Maintenant, il y a toujours des petits moments down, mais c'est pas grave, j'essaye de les remonter avec le sourire et non, toujours pas une nouvelle. Mes deux autres chiens, actuellement, ils sont dans ma maison en fait. Voilà, ils sont avec ma mère à l'étage parce que j'ai une grande maison. Et puis moi, je suis avec Mickey dehors. Mickey! Mickey!
Il était trop bon. Bah, en fait, les recettes, je les mets sur Snap. Donc, allez sur Snap, c'est plus facile. Comme ça, vous les screenez. Et même si vous ne comptez pas la faire maintenant, screenez toutes les recettes. Comme ça, vous les avez. C'est mon chiffre préféré, le numéro 7. Voilà. Depuis que je suis toute jeune. Il m'a toujours porté bonheur. Le 7. When you are struggling and you start thinking about giving up, I want you to remember the power of hope. The belief that something better is always possible. Donc ça y est, c'est l'heure de l'alimentation pour Seth et pour Chula. Donc là, regardez, là, il ne reste plus beaucoup de croquettes dans leur paquet là. Mais j'ai reçu les gros paquets. Donc je suis hyper contente, j'ai repris les plus gros. Donc pour Seth et pour Chula. Voilà, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus gros que les anciens. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est leur alimentation. Franchement, il n'y a rien de mieux pour les animaux. Vous voyez, là, je vois ce que mes chiens vont manger. Pour Seth, c'est poissons et petits légumes. Et pour Chula, c'est poulet et... Là, en fait, regardez, Jaffi nous envoie directement ce qu'il y a exactement dans les croquettes de notre chien, dans l'alimentation. Donc, on sait ce que notre chien va manger. Donc, ça, c'est hyper important. On sait aussi combien de grammes faut donner de croquettes par jour à notre chien selon son profil. Là, vous voyez, il y a pour Chula. Ensuite, j'ai le profil de Seth. Et j'ai même le profil des chats parce que du coup, j'ai aussi des croquettes pour chat. Donc, selon le chat, vous avez des grammes différents. Et pourquoi je vous disais qu'il n'y a rien de mieux que ces croquettes-là? Déjà, regardez, donc vous voyez les ingrédients principaux qu'il y a. Et puis, vous savez que ce sont des ingrédients naturels fabriqués en France, sans gluten et sucre ajouté. Aucun test sur les animaux, taux élevé en protéines et ils sont complètement...